Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser le scanner de reconnaissance pour repérer un intrus ou un animal sauvage infecté. Alors déjà, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un scanner de reconnaissance. Donc les scanners de reconnaissance, pour en trouver un, je vous conseille d'aller fouiller les coffres de l'IO. Donc si vous ne savez pas où se trouvent les coffres de l'IO, je vous affiche une map avec tous les emplacements de tous les coffres de l'IO de Fortnite. Donc là, vous allez chercher un coffre de l'IO et bien souvent, vous allez obtenir un scanner de reconnaissance. Donc dès que vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est soit repérer un intrus ou alors un animal sauvage infecté. Donc si vous voulez rechercher un animal sauvage infecté, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de Fortnite saison 7. Donc vous vous rendez à l'un de ces emplacements sur la carte et ensuite vous regardez s'il y a un animal sauvage infecté. S'il est infecté, vous tirez avec votre scanner de reconnaissance vers l'animal. Ça fera en sorte que ça va scanner l'animal et vous aurez terminé le défi. Mais pour réaliser ce défi, moi je vous conseille pas de chercher un animal sauvage infecté parce que bien souvent quand on en cherche, on n'en trouve pas. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller repérer un intrus. Donc pour savoir où sont les intrus, vous regardez sur votre carte et les intrus se trouvent tout simplement dans les villes où il y a le nom en mauve. Donc à chaque partie, il y a trois noms de villes en mauve-violet. Ça veut dire qu'à ces emplacements-là, il y a toujours trois intrus dans des soucoupes. Donc ce que vous faites, c'est que vous détruisez une soucoupe. Ensuite, l'intrus va sortir de la soucoupe volante et là, vous utilisez votre scanner de reconnaissance sur l'extraterrestre qui est donc l'intrus et comme ça, ça le scannera et vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera 30 000 XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace. Yummy, bruh.